Est-ce que tu penses que hein, tu as vraiment suivi le processus normal pour devenir un homme de Dieu? Si tu m'envoies dans le temps passé, pour le fait que j'ai porté un costume et que j'ai prêché à l'église homme de Dieu, je vais d'abord donner un éclairci. D'accord. Celui qu'on appelle un homme de Dieu, ce n'est pas celui qui allait à l'école de blanc qu'on appelle l'école théologique ou pastorale pour en sortir pasteur. Je suis désolé. On appelle un homme de Dieu l'individu qui a des caractéristiques divines. Celui-là, il n'aime pas faire le mal. Il est toujours prêt à aider. Il a l'amour pour son prochain. Et cet amour-là est fondamental et c'est fort, c'est poussé. En ce moment, je dis que c'est un homme de Dieu. Et les hommes de Dieu que je connais, beaucoup ne sont pas à l'église. Ils sont même ailleurs. Ils n'ont pas fondé une église quelconque. Non. Il y a des hommes comme ça dehors partout. Mais ça, c'est même clair. Au village. On est d'accord avec ça. C'est pourquoi je t'ai dit que. On est d'accord avec ça. Non, ne viens pas à cette affaire de. À devenir homme de Dieu. C'est là-bas que tu veux m'envoyer à faire l'église. Non. J'ai dit. Oui. Un homme de Dieu, c'est celui qui a ces caractéristiques-là. C'est le Jésus que toi, tu rejettes à ton fils. Il fait sortir. Sur toi. Et puis, il dit que lui croit en Jésus. Que toi, où tu es parti, là, faut partir, c'est son problème. On n'enseigne pas à un homme spirituel les choses physiques. Je suis désolé. L'Africain est devenu comme ça à cause de ce problème-là. Non, enlève ta lunette. Apparemment, c'est des trucs que tu mets autour de ton œil. Le noir est toujours dernier dans tout ce qu'il fait là. Parce qu'il s'est déconnecté de sa tradition, de sa culture profonde spirituelle. Il est devenu dernier. Il va en Europe, on ne l'aime pas. Il va en Chine, on ne l'aime pas. Il va chez les Arabes, on ne l'aime pas. Il est dernier. Parce qu'il s'est déconnecté de la tradition. Okay. C'est pas possible. Toi, tu es premier. Toi, tu es connecté à ta tradition. Tu es le premier en ce moment. On est ensemble et soyons ensemble pour qu'on soit premier. Qui? Nous et vous. C'est à quoi on vous appelle pour que vous veniez? Tu vas être qui? Moi, je te donne un conseil. Lequel? Lequel? Suis ta voix. Mais c'est tel que je suis maintenant. Laisse les gens suivre leur voix aussi. Je ne veux pas. Vous connaissez Serge Benoît? Ah oui, le grand arrangeur Benoît, je le connais, l'artiste. D'accord. Serait-ce votre fils biologique que vous n'avez pas reconnu? Bon, les gens disent ça, mais moi... Dites-le face à la caméra. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique, numéro 209 des bouquets Canal+ Afrique.